Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a accueilli le week-end du 5 au 7 avril dernier un grand rendez-vous. 80 dirigeants des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire s'y sont retrouvés pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans l'Église à travers le ministère des jeunes et étudiants de la dite communauté. Ce fut aussi un cadre de compte-rendu des activités du début d'année et de planning des futurs programmes de l'année. C'était un moment de communion, de fraternité, de convivialité, de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et de romance. Oui, de romance, car chaque dirigeant a été convié avec son époux ou son épouse. Le pasteur Évariste Deschi, dirigeant des jeunes et étudiants de Yamoussoukro, la ville haute, a souhaité la traditionnelle bienvenue avant de passer le micro au pasteur Olivier Louès, premier responsable des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire. Il a commencé la rencontre par conduire les frères à prier pour rendre grâce à Dieu pour la présence de chaque frère, car certains sont venus des localités très lointaines. Après d'abondantes actions de grâce, le président des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire a situé le cadre de cette retraite qui, pour lui, est un moment pour travailler et élaborer des stratégies pour que le but assigné au mouvement des jeunes et étudiants soit accompli. Cette deuxième édition de la retraite des responsables des jeunes et étudiants a connu une innovation particulière qui est celle de la présence des époux et épouses des dirigeants des jeunes et étudiants. Par la suite, chaque couple à tour de rôle s'est présenté à l'assistance avec la mention du petit nom avec lequel il désigne son conjoint ou sa conjointe pour marquer le caractère romantique de ce rendez-vous. Dans la matinée du samedi 6 avril, après le petit déjeuner, les dirigeants se sont retrouvés dans la salle du programme pour réfléchir sur l'organisation du Camp biblique national 2024. Programme qui est l'une des activités phares de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire. Au cours de cette séance de travail, le pasteur Guépan Francis, responsable du comité d'organisation du dit événement, a partagé certaines informations aux participants, notamment l'objectif du camp qui est d'atteindre une participation de 10 000 campeurs. Les 7 jours que va durer ce camp. Le président du comité d'organisation n'a pas manqué de préciser que les 5 000 premiers inscrits d'ici le 12 mai recevront chacun des présents. Avant de laisser la parole au président de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire pour dévoiler le thème du camp de cette année qui est « Fuis les passions de la jeunesse, dégage-toi des pièges de Satan ». Rappelons que cette 8e édition du camp biblique national des jeunes et des étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire se tiendra du 19 au 25 août 2024 à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Plusieurs autres points, notamment la prière pour couvrir le camp, ont été au centre des échanges au cours de cette rencontre pour une bonne organisation du camp biblique de cette année 2024. Aussi, pour faciliter la confection des badges d'accès au camp biblique de cette édition, une application a été développée et présentée aux différents responsables des jeunes à cette occasion. Dans l'après-midi, les travaux ont continué avec la deuxième communication portant sur l'organisation conjointe de campagne d'évangélisation des jeunes et des évangélistes sur tout le territoire national, avec pour objectif 2000 âmes à gagner qui doivent intégrer nos assemblées. La première campagne aura lieu du 6 au 12 mai et la deuxième du 13 au 19 juin 2024. Pour le président des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire, chaque jeune et étudiant doit se rassurer qu'il est en train d'œuvrer pour l'accomplissement du but de notre œuvre. La soirée du samedi s'est achevée par une sortie dînatoire dans un cadre romantique où chaque époux a renouvelé ses sentiments à son épouse par la remise de présents symboliques, le tout couronné par la célébration surprise des noces de cristal marquant les 15 ans de mariage du couple Guépan, dont l'époux est le président du comité d'organisation des camps bibliques nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire. C'est avec des cœurs vivement comblés et débordants de joie que cette soirée s'est achevée. Vraiment, nous sommes dans la joie, nous sommes très heureux.
Ce fut une rencontre merveilleuse, excellente, parfaite, vraiment, il n'y a rien à dire. Et nous sortons de cette rencontre avec de très beaux cadeaux, comme celui que vous voyez entre mes mains. Donc vraiment, ce sont les louanges, les actions de grâce, les hommages à notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu toutes ces choses possibles. Dimanche 7 avril étant la dernière journée de cette retraite, elle a débuté par le culte d'adoration coordonné par le dirigeant des jeunes et étudiants de la région des Grands Ponts. À sa suite, le pasteur Olivier Louest a parti des passages bibliques de Marc le chapitre 10 le verset 29 et Philippiens 2 le verset 19 à 23 a exhorté et encouragé les dirigeants des jeunes à se consacrer à l'évangile et à travailler pour que le but de Dieu pour l'église de Côte d'Ivoire soit atteint. La jeunesse et les étudiants étant la cible principale du mouvement des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Olivier Louest a demandé à chaque responsable de jeunes et étudiants de se rassurer que dans chaque université et école de sa localité, des assemblées et des groupes d'études bibliques soient implantés. Selon lui, les universités et les écoles doivent être leur champ de conquête. C'est en faisant ce travail que les dirigeants seront en train d'aider le pasteur Boniface Meynier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, à accomplir le but de l'œuvre dans la dite nation. Plusieurs témoignages sont venus confirmer l'importance des groupes d'études bibliques et des assemblées dans les cités universitaires. D'abondantes prières ont été élevées à Dieu afin que chaque université et école soit conquérie pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec des engagements à aller conquérir les universités et écoles que cette rencontre s'est achevée. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui nous a permis d'organiser cette retraite. C'est la deuxième édition. Nous avons eu la première édition l'année dernière à la même période à Yamoussoukro. Et cette année également, nous avons réitéré la même retraite. En fait, le Seigneur a placé sa confiance en nous et il nous a confié une grande mission. Et cette mission qui consiste à diriger le mouvement des jeunes et des étudiants dans la nation. Donc il est important pour moi, en tant que le dirigeant, de réunir tous mes co-ouvriers, mes collaborateurs et de parler de la tâche qui nous a été assignée, de réviser nos méthodes, nos pratiques, et même les encourager à s'engager davantage. Et cette année, nous avons également, méditant sur la question, nous avons estimé qu'il est bien que nos épouses également soient associées à cette retraite. Parce que vous savez que si elles sont engagées, si elles comprennent également où on va et ce que le Seigneur nous demande, elles pourront se mettre à la brèche et même prier et se joindre à nous. Donc, elles ont accepté. Et cette année, nous avons enregistré un effectif de 80 personnes. Et je bénis le Seigneur parce que tous les objectifs, par la grâce du Seigneur, ont été atteints. Nous avons révisé, nous avons fait le tour de l'horizon dans les différentes régions pour voir comment est-ce que le travail s'effectue au niveau des jeunes et des étudiants. Et je suis très satisfait, je retourne étant satisfait. Je crois que le Seigneur est en train de nous aider, il est en train de nous aider et par sa grâce, nous allons atteindre les objectifs. Nous pourrons être une source de bénédiction et des co-ouvriers encourageants pour notre dirigeant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous a été pris pour la troisième édition de la retraite des dirigeants des jeunes étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire qui se tiendra en 2025 à Boaké.